sculpter, c'est ça, c'est la répétition d'écoles aujourd'hui, il y en a 6 au total. Oui, 6 ascensions répertoriées au classement du meilleur grimpeur, avec un col de 3e catégorie, le port de l'Herse, et puis 2 cols de 2e catégorie, 2 cols de 1ère catégorie, et la montée finale au plateau de Bay, une montée très difficile, très exigeante, que les coureurs vont entamer, bien sûr fatigués, parce qu'ils auront dû parcourir tout le reste de l'étape auparavant. On peut s'attendre à des défaillances, on peut s'attendre, je l'espère en tout cas, à de belles attaques. Je peux pas me plaindre, ça va. Je vais souffrir énormément aujourd'hui, mais maillot jaune ou pas, de toute façon on souffre sur le Tour de France, donc voilà, je suis un coureur comme un autre qui a un maillot d'une couleur que tout le monde a envie d'avoir. Tout de suite, les maillots distinctifs au départ de cette 14e étape du Tour de France en ce samedi 16 juillet. Avec un maillot jaune porté pour la 5e fois, 5e jour en jaune pour Thomas Vauclair. Marc Cavendish fatigué, il peut souffrir aujourd'hui dans sa quête d'un maillot vert à Paris. Arnold Jansson est toujours le meilleur jeune du Tour de France et depuis hier, malgré la déception d'avoir été battu à 2 km de l'arrivée à Lourdes par le maillot arc-en-ciel du Norvégien Tour Hushov, coureur exceptionnel, Jérémy Roy désormais porteur de ce maillot blanc à pois rouge que Samuel Sanchez, le vainqueur d'étape la veille, n'aura porté finalement qu'une journée. 3 Français avec des maillots distinctifs. C'est une bonne chose pour le cyclisme français, même si les Français n'ont toujours pas gagné d'étape sur ce Tour 2011. 14e étape, le drapeau est baissé. Elle est partie et comme prévu, elle est partie vite, même si c'est une étape de haute montagne, un grand rendez-vous sur les Pyrénées. On aura plusieurs choses, victoire d'étape aujourd'hui de prestige en haut du plateau de Baye. On reparlera de cette ascension finale classée hors catégorie. On peut aussi s'attendre à une bague beau et chaud sur la route du Tour de France. Il fait même parfois très chaud, c'est un contraste avec les premières étapes, une première semaine parfois pluvieuse, marquée par le froid aussi dans certains cols, comme au Tourmalet par exemple. Nous sommes à Souesch, un village traversé par le Ger, que vous voyez là, affluent de la Garonne, et l'église Sainte-Eulalie, qu'on vous a signalé, qui est du 15e siècle, qui a été agrandie au 18e, au 19e aussi, et on a démoli le clocher mural pour un clocher pyramidal. Souesch, je crois bien que c'est le... Ouais. Katusha qui n'a pas été retenu dans cette équipe 100% russe qui a déjà... Ouais, fais-moi toujours le faire, tu le fais pas. Ça te tient. Avec le dessert, fêtez le tour en couleur. Et vous l'aimez pour les Ray-Ban à Badou. Ouais. Accepter que tu t'aimes.
te suivre encore des yeux, te donner tout mon temps, te faire du bouche à bouche, supplier les astres, m'écouter un peu sans hésiter, pour la beauté du geste.